longtemps qu'on attendait ça, et voilà, le jour J est arrivé, et on est là, voilà, on est présent à Bâle. Moi, je suis arrivé cet après-midi en voiture, en covoiturage. Avec les CD, j'ai réussi à avoir deux places, je suis avec mon beau-père, et maintenant, on va profiter que ses potes et mes potes. Moi ça m'a arrangé de jouer Bâle parce que c'était le déplacement le moins loin pour moi. Donc voilà, je suis content qu'on ait tiré Bâle et de pouvoir être là aujourd'hui. Je suis venu en G9 hier avec des amis, on est arrivé hier soir à Saint-Louis. Et voilà, hein, on est chaud pour le match, quart de finale, c'est historique. Allez, allez, oh, allez, allez, oh, la brigade a chanté. Tchèque, l'Allemagne, la Moldavie, vous voici en Suisse, nous voici en Suisse, pour un rêve, votre rêve, notre rêve. Amdouni qui s'élance. 1-0 pour Bâle. Rosario va le remettre devant la boîte. Ballon deuxième poteau, Rosario pour Aaron Ramsey. La tête d'Aaron Ramsey. Tac, la mort, profite. Sorti. Ça fait un partout. Stéphane Moussi qui part célébrer devant le parquet de Chic. Oh, Stéphane Moussi, la spontanéité, le geste décisif, la frappe, on est tous ce Bâle, mardi, il n'y a plus rien. Le gym recolle. Le gym recolle. Un partout.
Je vous regarde en avant, dans le couloir gauche. Mon fou. Mon fils, le ciseau de mon fils. Quel geste de terrain, mon fils. Le geste des héros. Chers amis, parce que l'histoire est en marche et on est à 90 minutes d'une demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui n'est jamais arrivé au club sous cette forme-là. Comment les clubs professionnels recrutent les tout jeunes joueurs, enfants ou adolescents, ces jeunes-là qu'ils imaginent voir passer professionnels une fois l'adolescence terminée. Reportage donc à Sens, dans Lyon, pour un tournoi qui concerne les moins de 14 ans. Et nous avons suivi Noureddine Aïnseba, qui est recruteur pour l'OGC Nice. Comment fonctionne-t-il ? Réponse avec Léo Bagage, Quentin Monaton, Pierre Martin, Marion Rabot. Ce petit joueur 18, déjà, d'entrée, me plaît. Un retard morphologique prononcé, il est plus petit que tous les autres, c'est qu'il doit avoir d'autres atouts. Et ces atouts-là, je vais essayer de les déceler. En général, c'est des bons petits joueurs de foot. Depuis 22 ans, il repère les talents dès leur plus jeune âge. On m'a pas demandé un petit joueur de faire une transversale de 70 mètres alors qu'il n'a pas de muscles. Par contre, s'il a eu l'intention à ce moment-là de faire cette transversale, il a vu le jeu, oui, cette intention, on la note. Quand on est observateur ou recruteur, on est plus sur cet aspect du potentiel. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai observé, ouais, je voyais Nordine qui parlait de tes joueurs. Je ne comprends pas trop. Je dis, ouais, il n'a pas été super performant. Je dis, ouais, mais regarde bien. Alors après, c'est vrai que quand tu regardes avec un peu plus d'attention, tu vois que le milieu, il est entre les lignes, il est constamment en mouvement, il est dans les intervalles, il est disponible, les intentions de jeu qu'il a, elles sont bonnes, même si elles n'y arrivent pas parfois. Car les choix d'un joueur révèlent souvent la nature d'un individu. Penalty. Penalty, bah oui. Il y va, il le prend. Hein. Prend le ballon. Typiquement, tu vois, ça, c'est pas du football, le trait de caractère. Eh ben, c'est un élément important de pouvoir se dire que ce joueur-là, il aura jamais peur. Voilà. Une fois que tu as validé l'aspect sportif, tu as l'état d'esprit du joueur, l'entourage, la scolarité. Kevin, tu vas bien? Ça va? Ça va ton talent? Ça va. C'est un vrai bon petit. Putain, il cache toutes les cases, lui. Avant de recruter Kevin, 13 ans, Noureddine s'est assuré que l'environnement familial du joueur était sain. Il est bon, votre fils, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière? Bon. C'est nous les parents qui est derrière. Il a dit c'est du tout petit, j'aime pas trop, mais des fois, quand c'est le travail qui nous demande de le faire, avoir un temps là comme ça, on est obligé de venir. Il est venu, il nous a vus, on s'est parlé, on a pris rendez-vous, et ça s'est fait tout seul. Alors écoutez, votre fils joue. J'ai aucune certitude qu'il finisse pro. Par contre,
là où on est sûr, c'est qu'on va essayer de l'emmener. Ça nous permet, Théo, de lutter un peu contre une image. Les recruteurs ne sont pas là pour faire du business, il y a de l'humain derrière. Il y a beaucoup d'humain et je pense que ça transparaît énormément dans le reportage de Léo Bagage. C'est un univers que l'on connaît très peu. Les caméras s'ouvrent très rarement. Donc rien que pour ça, déjà, on remercie l'OGC Nice et Noureddine Ainseba pour ce reportage-là. Déception d'aujourd'hui, mais il y a déjà l'excitation de jeudi, donc c'est bien, c'est ce qui va réussir à nous faire passer à autre chose assez rapidement. Rendez-vous jeudi, on va écrire l'histoire tous ensemble, et je pense que ça c'est ce qui peut nous arriver de mieux, d'écrire ensemble l'histoire de l'OGC Nice.